Bonjour et bienvenue sur Les Délices de Corélius. Aujourd'hui, je vous parle de Tribulation d'un précaire de Yann Levison. C'est une de mes clientes qui m'en a parlé et j'ai eu envie de le découvrir. Il est paru en 2007 aux éditions Liana Levy et en poche en 2015. Il est traduit par Fanchita González Battle. Au cours des 10 dernières années, l'auteur a eu plus d'une quarantaine d'emplois dans 6 États différents. Sans s'en rendre compte, il est devenu un travailleur itinérant, une version moderne du Tom Jones des raisins de la colère, à 2 différences près. La première, si vous demandiez à Tom Jones ce qu'il était, il vous répondait ouvrier agricole. Là, l'auteur n'en sait rien lui-même. Et la seconde est que Tom Jones n'a pas fichu 40 000 dollars en l'air pour obtenir une licence de lettres. Donc, durant tout le livre, le lecteur suit les différents emplois que l'auteur a au fil du temps. Cela donne une vision assez dure du monde du travail en Amérique, où le travail stable peut paraître du luxe. Certains entretiens d'embauche sont désolants, certains métiers exténuants ou inimaginables. À la longue, la succession d'emplois m'a paru sans fin. À se demander si le livre finirait un jour. Il se termine, mais sans réelle conclusion. Même si elle ne m'a pas passionnée, la lecture a été très intéressante. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. Si vous voulez en retrouver d'autres, vous pouvez le faire sur mon blog Les Délices de Corélius ou sur ma page Facebook du même nom. Je vous remercie et vous dis à la prochaine. Au revoir.